Bonjour à tous les amis, c'est Valmant333 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des Sims 2. C'est parti chers amis, ne perdons pas de temps. Voilà. Alors la dernière fois on s'était quitté, je venais tout juste chers amis de m'offrir ce petit minou de l'infini. Qu'est-ce qu'il est mignon ce minou. Et donc maintenant à la page n'aura plus de soucis de vie sociale puisqu'il aura un compagnon ou plutôt une compagnonne avec qui pouvoir faire mumuse, tout ça. Alors non, pas la peine de recycler, c'est la boniche qui va s'en occuper. Alors j'entends, j'aurais peut-être dû fermer ma fenêtre parce que il y a les 24 heures du Mans en ce moment chers amis, hein, aujourd'hui et demain, et comme j'habite juste à côté du circuit, j'ai peur qu'on entende un petit peu à la vidéo, mais c'est pas grave chers amis. On a l'habitude de ce genre de dissidence. Alors à la page, il y a aussi mon voisin qui s'amuse à taper sur les murs. Alors moi je vais évidemment lui taper dessus s'il continue. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors je vais demander à Balot de partir. Ouch. Moutez. Allez va-t'en Balot. Alors par contre, je vais demander aussi à Fanny de bien vouloir arrêter de miauler. On va commencer à l'éduquer dès maintenant. C'est pas bien. C'est pas bien, tu miaules pas. Tu fermes ta gueule. Je plaisante bien évidemment, chers amis. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu. Oui, de terminer mes compétences avec un peu de bol. Aujourd'hui, pas sûr, mais avec un peu de chance, on peut y arriver aujourd'hui. À faire de grandes choses. Je pense que mon voisin, il va finir grillardin chez Courtepaille, là, s'il continue. J'espère qu'on n'entend pas, parce qu'il me saoule un peu, là. Juste avant de tourner, j'ai eu 2 heures un peu dans le vide, on va dire, et il n'y avait pas un seul bruit dans mon bâtiment. Et là, je sais pas ce qui se passe, là, c'est la dissidence. Alors, je suis encore en week-end pour l'instant. La super bonne... On va s'occuper pas mal du chat parce que j'ai envie de l'éduquer tout de suite. Vous pouvez constater que j'ai ajouté des meubles à la maison. J'ai changé le panier d'Alapache pour un panier beaucoup plus sympathique. J'ai ajouté cette maisonnette pour chat avec les cordages pour pouvoir faire ses griffes. Et puis sa petite gamelle d'ailleurs qu'il faut que je remplisse. C'est bien, bravo. Parfait, on s'entend bien. C'est tout mignon, ce petit minou. Alors. Les toilettes. Alors, j'ai demandé à la boniche de bien vouloir s'en aller. S'il te plaît, madame, s'il te plaît, tu t'en vas. Oh putain, aucun respect! Il lui fait pipi devant, quoi! Il la connaît même pas! Est-ce qu'il l'aime bien? On va voir déjà. Oui, tout à fait. Ça lui convient parfaitement à mon personnage. Autant qu'à moi, dirons-nous. Tout ça est bien. Alors, les compétences. D'abord, manger. Manger miam miam. Déjeuner. Une salade du chef. Pour pas prendre de poids. Même s'il tient la grande forme. D'ailleurs, chers amis, rappelez-vous, il y avait une madame qui a dit que j'allais devenir vachement célèbre. Ma réputation a pris un sacré coup de pompe aux miches. Il faut bien l'admettre. Que fait le chat? Ah, il est sur sa petite boîte. J'ai rempli la gamelle. À la page d'or. Tout va bien. Et la boniche a fini son service. Je te remercie. Tu peux disposer. Parfait. Parfait, parfait. Alors, il est temps de s'occuper des compétences. En commençant par la cuisine.
On va faire bien attention à ce que Fanny fait pour éviter qu'elle ronge mes meubles. Ah non, ça c'est pas bien ça. On va la gronder. Monter sur les meubles, c'est pas bien. Tu as un objet pour monter. Il faut vraiment bien l'éduquer. On va commencer dès maintenant. Pas les meubles. Pas les meubles. Voilà, à la poche, lui, il est bien maintenant. C'est le toutou parfait. Le toutou 2.0, le toutou ultime. Le toutou plus plus, on va dire. Oh là là! Oh, le respect! Ah, la page qui bouffe dans la gamelle du chat, quoi. Je vais lui remplir sa gamelle. Je vais pas y arriver à ce rythme-là. Ils ont toujours un truc qui va pas. Je vais aller bouffer... Non, pas servir une assiette. Bouffer des chips. Parce qu'à l'heure de... À 4h30, c'est l'heure du goûter. Donc, les chips... Bon, c'est bien, niveau vie sociale, ils s'entendent bien. C'est parfait, ils pourront faire mumuse ensemble. Nickel, chers amis. La vie sociale, je n'ai plus à m'en occuper. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait le grand tour? Il peut passer par là. Il fait le tour de la maison juste pour aller apprendre à cuisiner. Moi, je dis chapeau l'artiste. On s'en fout complètement. Que fait le chat? Oh, le chat! Alors là, par contre, il va y avoir... Il y a manque de respect. Il va y avoir punition. On va finir le level. Assez long, quand même, hein. Sachant qu'il nous reste encore un point et que je n'ai pas eu de réca, chers amis. Ça va être très long. Très très long. En nettoyage, en mécanique. Je vais essayer de faire le nettoyage juste après. Arrête de répondre aux chiens du quartier. À la pâche, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que ses besoins descendent à une vitesse ahurissante à lui? Des côtes... Non, pas du saumon. Du saumon, c'est pas... Des côtes de porc, s'il vous plaît. Regardez un peu la télé, et puis après, il ira pioncer. Mais d'abord, il faudra qu'il gronde. Ce chat qui ne respecte rien. Enfin, on le fera après, parce qu'il sera peut-être réveillé d'ici là. Miam, 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 miam. Oui, voilà, il s'est réveillé, le chat. Et il bouffe dans la gamelle du chien... J'aurais mieux fait de leur mettre qu'une seule gamelle à tous les deux parce que... Ne vous grognez pas dessus. La vie sociale, pensez-y. Mais plutôt une chaîne genre Youpi TV. Ah, la page qui a encore des problèmes de vie sociale et qui vient m'embêter alors qu'il a le chat maintenant. Remarque, moi aussi j'ai des problèmes de vie sociale, donc je vais peut-être pouvoir faire d'une pierre deux coups. Non, 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 pas crier dessus. Faire la fête. Fanny, y a pas de problème de vie sociale. Bon, il est fatigué et il a pas éteint la télé, cet abruti. Utiliser, se laver les mains, quoique non, on s'en fout. Dormir en sous-vêtements. Attention, le chat. Surveillance constante.
Ce petit chat norvégien tout mignon. Et ce voisin qui ne me respecte pas. Moi aussi je vais taper sur les murs à ce rythme là. Surveillance du chat. Très important. On va le suivre. Mange dans la nourriture de la lapache. Il fait ses griffes. Il mange dans sa nourriture à lui. Oh là 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 là! Elle a bousillé mon canapé. Faudrait que je la gronde pour ça. Ah, elle aussi, elle aime bien les beaux windows. C'est une bonne chose. Le chat qui flotte dans les airs, chers amis. Non, bien évidemment. Alors, hop. Tu vas te réveiller maintenant, toi. Prends la douche. Et ensuite, on ira continuer ces points. Pas la cuisine, mais la mécanique que j'avais presque fini. Aucun souci, le temps passe bien, c'est parfait. Beaucoup trop d'animaux dans cette maison. Toi, t'as de la chance de t'en être tiré pour le canapé. Tu t'en tireras pas à chaque fois, sache-le, attention, je dis attention. Que fait ce chat? La litière, c'est parfait. Je vais la féliciter si mon point veut bien se ramener. La boniche. Parfait. Avec l'humeur de platine, chers amis, je devrais pouvoir avoir des eureka plus souvent et surtout peut-être éventuellement. Parfait, ils s'entendent bien, la vie sociale qui monte toute seule. Qu'est-ce que c'est que ce clébar là? Qu'est-ce que c'est que ce petit machin? Tutu. Ah là 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 là, regardez-moi ces petits machins tout minuscules. Bon, ah merde, on perd la... On perd l'humeur de platine, c'est dommage, parce que ça me permettrait d'avoir des eureka plus souvent, mais avec l'humeur d'or, ça marche aussi. Où est le chat? Encore en train de dormir sur mon lit, il va falloir que je... punisse. Tout neuf. Parfait. Parfait, parfait. Allez, un petit eureka, là, un petit eureka! Non, c'est pas ça que je veux, moi. C'est un eureka que je veux. Va te faire foutre, casse-toi. Eureka! Faut que j'aille remplir la gamelle. On s'en fout! Eureka, parfait! Oh putain, je l'ai eu le eureka. J'aurais presque fini le prochain niveau en plus. Elle aurait pu nettoyer la gamelle du chien, la bonne. Je vais la tuer. Ah non, on ne. Hein? Attention à la pâche, hein. Ouch! Qu'est-ce qu'il a à la pâche? Arrête d'aboyer à la pâche. On peut pas le gronder parce qu'il aboie? Bon bah il a le droit d'aboyer. Le chat a pas le droit de miauler, mais lui il a le droit d'aboyer. Je dis discrimination, je dis. Ils font mumuse, c'est parfait, ça fait monter la vie sociale, surtout celle de Fanny, puisqu'elle est père de la vie sociale.
J'ai bien fait de faire cet investissement. Ce qu'elle va m'être très utile. À la page, j'ai plus tellement besoin de le surveiller. Par contre, le minou. Surveillance constante. Un petit Eureka en plus, ça serait magnifique. Je vais pas pouvoir m'occuper de ça très longtemps. Et je vais même d'ailleurs inviter directement quelqu'un tout de suite à rester pour la nuit. Alors on va choisir. Qui va rester pour la nuit? Quelqu'un avec qui j'ai presque plus de relations. Je crois avoir trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé avec qui je vais passer la nuit, chers amis. Parfait. Je vais en profiter pour augmenter mes relations avec... Avec... Personne que j'ai pas appelé depuis très très longtemps. Trop longtemps. Ça remonte. Elle se permet de rentrer chez moi comme ça, elle. Bon bah... Alors attends, proposer de rester pour la nuit. Je peux carrément lui demander des trucs, genre demande de fiançailles, emménagement. Elle veut bien. Alors. Ah, elle s'était battue avec la vieille apparemment. Je me permets de te faire des bisous. Je me permets de te toucher les fesses. Et je me permets de te serrer romantiquement dans mes bras. Parfait. La relation à long terme va remonter toute seule. Où est le chat? Il fait ses petites griffes. Regardez comme c'est mignon. Quand le chat fait ses petites griffes. Ça vaut mieux qu'il fasse ses griffes sur des cordages, qu'il fasse ses griffes sur vos vêtements ou votre peau, chers amis. C'est quand même beaucoup plus confortable. Autant pour lui que pour vous. Ah, la page qui dort toujours aussi mal. Il dort jamais ce chat ou quoi? Il a une petite boîte exprès pour faire dodo. Non, il préfère dormir sur mon lit. Alors, quick. Je vais servir le dîner pour qu'elle ait ce qu'il faut en bouffe. On va faire du saumon cette fois. Et ensuite, je mangerai et j'irai dormir. Il me reste encore un petit peu de temps de vidéo à ce que je vois. J'aurais quand même bien avancé. Il me faut ce dernier point en nettoyage et il nous restera plus qu'un point pour avoir le... Un point dans toutes les compétences, enfin dans toutes non. Pas dans le charisme et dans le physique. Pour enfin avoir accompli cet objectif en or, chers amis. Alors, on va s'occuper de ça vite fait. Serre à bouffer. Elle va sûrement venir manger. Prends-toi une assiette ou pose-la. Voilà, stop. C'est tout. Réponds au téléphone. Après. Il va sûrement s'endormir dans l'assiette, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu veux? Elle veut juste m'appeler. Ça se passe bien. On va essayer d'avoir deux petits plus. Bon bah il y a des moins. On va la raccrocher parce que ça vaut mieux. J'ai pas envie de perdre de la relation non plus. Allez vite. Évidemment il s'est endormi dans l'assiette. Forcément. Tu vas la bouffer tout entière cette assiette. C'est moi qui te le dis.
T'as presque fini, allez. Allez, on va s'arrêter là. Il a plus très faim. Faut que je gronde ce chat. N'utilise pas le lit. Pas le lit. Oui, mais tu vas pas... Tu vas bien évidemment pas t'endormir sans avoir fait l'amour. L'amour à cette femme, c'est un peu pour ça qu'on l'a fait venir aussi. C'est bien, ils jouent ensemble. Pour la vie sociale, très important. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi là, mon cible. Il fait n'importe quoi. Voilà. Parfait. Un bisou. Et l'amour. Voilà, il se roule des pelles et ensuite. C'est mon chat, ça. Ficelle. Ficelle, le chat de Le Martichaud, chers amis. Enfin, il est pas de cette couleur-là, mais... Je vous invite à aller sur sa chaîne. Il fait des choses géniales, Le Martichaud. On tournera sûrement des trucs ensemble dans un futur proche. Très proche. On va surveiller que fait la page qui aboie à la fenêtre. Fanny qui utilise comment ça s'appelle, le panier de la page, alors qu'elle a son truc tout fait exprès pour qu'elle puisse dormir. Je pense que je vais devoir la tuer ou l'assassiner. Enfin, c'est normal qu'au début, les animaux soient un peu irrespectueux, chers amis. Après, ils deviennent comme à la pâche. Ils deviennent de bons compagnons. Qu'on n'a plus besoin de surveiller parce qu'ils font plus des bêtises. Par contre, aujourd'hui, je crois que je travaille. La semaine recommence. Et je commence à quelle heure, d'ailleurs? La jauge d'aspiration à long terme qui est presque au maximum, chers amis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va, elle? Elle s'en va ou elle s'en va ou elle s'en va? Oui, aucune action n'est possible. Elle s'en va. Elle aussi venait juste faire l'amour avec mon personnage, c'est tout. Ouais, le sommeil n'a pas été très... Moi, j'aimerais bien qu'il redorme un petit peu, d'autant qu'il commence pas le boulot tout de suite. Il va redormir un peu. Ah. Là, c'est bon. Les gamelles sont remplies. Il me faut ce point de nettoyage et ensuite je mettrai fin à cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il y a la boniche qui arrive. Chip, chip. Ah, il faut que je lave à la poche aussi. Ah non, ce point, je ne l'aurai pas tout de suite. On va plutôt aller laver à la poche. Et chers amis, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à commenter, à pouce vériser, à aller sur les chaînes de mes amis, dont Le Martichaud que j'ai cité précédemment dans la vidéo,
à la page, Xeyux, tout ça, tous les amis de l'infini. Ils sont sur le côté de la chaîne, normalement, chers amis. Quand vous allez sur la page d'accueil de la chaîne avec la bande-annonce, sur la droite, il y a les amis de l'infini. Et dedans, il y a toutes ces personnes complètement sympathiques. Donc, chers amis, je vous dis salutations de l'infini. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.